Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Mundo, Mundo Jungle. Ça va être c'est un pick que j'aime beaucoup. On est avec Renekton, Lissandra, Jinx et Morgana, et on joue contre Malphite, Jax, Sylas ou Sylas, je sais pas comment on dit, Sivir et Soraka. On est à un niveau de jeu platine, plate 3 en gros. Et donc le match-up contre un Jax, bon, ça peut être. Que dire? Je pense que si je prends pas les fights, en fait, ça devrait à peu près aller. Je vais peut-être pas jouer très très agressif en termes d'un 1v1 contre le jungler adverse, mais plutôt dans une optique de grosse présence sur les lanes. Mundo, c'est un peu tout l'inverse du Dirk, qui est aussi un perso que je joue beaucoup en jungle, dans la mesure où lui, il a une capacité à être très présent sur les lanes et à pouvoir fight assez vite, étant donné que c'est un personnage solide. Donc c'est assez prometteur. Je regarde un petit peu le elo en face. Oula, il y a du plate 1 en face. La Sivir est plate 1, ça fait un peu peur. Sachant qu'une botlane de bon niveau, ça peut faire des gros dégâts. Oh la vache, ça va être un peu dur pour nous, je pense. J'espère vraiment que la botlane ne va pas se retrouver au fond trop rapidement. Du coup, je vais essayer d'aller les aider au max. Mais bon, après, il faut pas non plus être toujours focus sur le elo et ne regarder que ça. Hein, mais bon, c'est quand même un petit peu inquiétant. Je vais prendre normalement plutôt le Z avec Mundo si je commence au Corbin ici. Même s'il peut être intéressant de ne choisir le sort qu'au dernier moment. Mais ouais, on va peut-être aller faire un petit cover par là. Ok, ça invade. Attention, attention. Ils veulent fight là. Mais là, on va se faire éclater en fait. Moi, je veux bien fight, hein, mais. Du coup, j'ai pris le A en premier item. Mais pourquoi ils fight? Bon bah du coup je vais commencer au bleu, tout simplement. Parce que du coup j'ai pris le hachoir, enfin le couperet, et donc j'ai pas le Z qui est quelque chose qui m'aurait beaucoup beaucoup aidé. Donc si je peux avoir un peu d'aide. Bon, heureusement on n'a pas perdu grand chose. Soraka qui a utilisé barrière, j'aurais peut-être pu engager un peu plus vite là, Soraka elle. Merde. Comment j'ai pu louper? Ah mais c'est pas la bonne touche! Oh là là! Oh, j'ai changé mes raccourcis, je suis encore en train d'essayer de devenir familier avec. Mais comment vous dire que c'est un peu décevant quand même là. Ok, je smite, parce que on sait jamais. Ouais, petit fail raccourci qui fait que bah, en fait j'aurais dû le Jax aurait dû être mort. Tout simplement, puisque là il prenait le slow, il avait pas trop d'escape, il avait utilisé le truc pour sortir. Je me demande s'il avait pas le flash avant en plus. Est-ce que je vais crever là ou comment c'est en fait? À l'aide. Ok, c'est un peu chaud, hein, je vous avouerai. Je suis pas du tout sûr que je sois en mesure. Alors, c'est quoi mon shop, c'est ça? Je suis pas du tout sûr que je sois en mesure, en fait, de me faire le camp de monstre ici. Donc, je vais back. C'est un peu triste, mais voilà. Du coup, c'est pas du tout normalement ce que je fais en premier. J'aurais dû commencer là, faire ensuite le raid et les golems. Et là, bah, ça m'a complètement cassé mon build, en fait, hein, tout simplement. Donc, bon, bah, je me suis adapté à la partie comme j'ai pu, mais ça me met un peu de retard. Pas terrible. Et bon voilà, pour ceux qui ne savent pas, hein, je suis encore en train de redécouvrir le jeu et de me réapproprier les raccourcis. En plus, je les ai changés hier. Donc bon, il risque d'y avoir des petits fails par-ci par-là. C'est pas grave, hein, ça revient doucement. Je suis un peu inquiet pour la botlane. Oh, ils ont l'air de pas trop trop mal s'en sortir. Ce qui est plutôt une bonne chose. Hop, je smite là-dessus. Je pense que je vais prendre le Z. Hop. Pourquoi on me ping? Ah mais il me faut le raid en fait. Je pense vraiment qu'avec le raid, je pourrais faire plus de choses. Est-ce que j'y vais tout de suite?
Là, je vous avouerai, je suis un peu perdu. Ok. Gestion des sorts pas franchement optimale. Alors là, il faut que je fasse gaffe à ce qui se passe. À pas donner de kill par exemple, ça suit pas. Ok, on était sur un super lancer de hachoir. En déloc, c'est pas pareil le ressenti sur les skill shots. Bon, bah, pas très glorieux pour l'instant. Ouais, le Z hein, de. Ou le. Enfin, je sais pas si c'est le Z ou une autre touche, mais. Oh là là, dommage. Oh oui, yes, allez go. Voilà, on pouvait s'y attendre. C'est quoi ma touche pour flash? C'est ça? Ok, bon, chaotique complètement la fight. Et je mets la bot lane assez mal, puisqu'on a déjà une Sivir qui est au-dessus du level de la partie, et là elle prend du kill. Donc on est vraiment pas bien, et je sais que c'est en partie ma faute, mais j'ai une gestion mécanique un petit peu dégueu de mon champion pour l'instant. J'ai senti que c'était peut-être du bait quand j'ai vu la Soraka revenir, et on n'avait pas de ward sur le Jax. Ça, c'était vraiment pas bien joué. GG, Lissandra! Bon, heureusement qu'on en a qui remontent le level dans dans l'équipe. Bon, je vais essayer de ne pas trop faire de fail quand même. Bon, ce qui est bien avec Mundo, c'est que même sur un début de partie un peu à chier, on peut toujours faire du gros taf plus tard dans la partie. Peut-être aller vers le top éventuellement. On va voir ça. Je prends quand même assez cher sur les mobs. On va aller voir si on peut choper le carapateur. Faut que je fasse aussi attention au Drake, à ne pas leur laisser en face. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Il est où le carapateur? Oh là là, il est là. Il l'a eu. Bon, eh bien, on va aller vers le mid. Là, il y a le Jax qui était pas loin. Fais attention au top. Il y a peut-être le Jax qui va débarquer, t'es assez push. Bon, là on va pas pouvoir faire grand chose malheureusement. Je vais venir par là. Je vais maxer, je pense, le E. Je vais essayer de farmer tranquillement. Il faudrait que je retourne aider la bot lane, mais en fait je les ai mis tellement mal avec mon gank pourri de tout à l'heure. Ça va être un petit peu dur de remonter le level. Je vais prendre le level 6 éventuellement. Attends, mais je perds tellement de PV sur les mobs, c'est ouf. Ils veulent quand même pas fight là, rassurez-moi. Ouais, je suis pas vraiment en état. Ok, j'aurais peut-être. Ça aurait peut-être été bien que je sois avec eux. J'ai fait quelque chose, c'était cool. J'ai mis un hachoir, ce qui est déjà pas mal quand même. On peut aller au Drake, je pense. Hein. Par contre, j'ai pas le smite, je l'ai mis sur ce Soraka en pensant que peut-être ça allait prendre le kill. C'est une blague, l'esquive là. Allez, go. Je rêve ou il utilise mon ulti là, c'est quoi cette blague? Bah je comprends pas, je venais de le faire, il peut pas me le voler si je l'ai fait, non? J'ai bien compris que le champion prend les ultis. Mais enfin pour moi si tu le voles c'est qu'il est dispo, je venais de l'utiliser donc normalement il pouvait pas le prendre si. Ok donc apparemment... Merde! Oh! J'ai foiré mon bac en faisant un misclic. Décidément, c'est pas facile. Hein. On va prendre ça. Tac. Je vais prendre ça. Et il faut qu'on aille faire le Drake, tout simplement. Je sais pas pourquoi le kill est pas passé. Là, je pensais vraiment que c'était free. On va venir là. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Alors, moi, je suis là. Tiens, pourquoi ça me met sur moi? Ok. Tac, 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 tac. Ok.
Sauf que du coup, c'est bien d'utiliser ça pour aller plus vite, mais si on reste planté devant comme un piqué, en fait, ça sert pas à grand chose. Mais non! Mais... Oh là 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 là, j'avais tellement de quoi le tuer, je l'éclatais en 1v1, mais je suis gestion du perso horrible. Oh, c'est frustrant. Mais bon, c'est pas grave, je vais me forcer à jouer comme ça, hein, jusqu'à ce que ça... Le niveau revienne et les automatismes reviennent. Il faut vraiment se forcer à jouer en délog, je pense, mais... Là, je le tuais 1000 fois, quoi. J'avais le smite rouge, j'avais les popos. Il a tellement peu de PV. Ouais, je pense vraiment que je l'ai éclaté. En plus, je suis allé du mauvais côté quand la botlane est venue m'aider. Je suis vraiment très très nul, hein, sur cette partie-là. Ok, GG Renek. Je joue vraiment pas bien. Il aurait fallu que je prenne aussi le brouilleur optique. J'ai tout simplement pas pris. Par contre, je perds la moitié de mes PV là-dessus. J'ai l'ulti, normalement je peux faire à peu près des trucs. On va essayer d'aller choper le Drake, hein, ce serait vraiment bien. Allez, go. Go, go, go. Qu'est-ce qui se passe par là? Bon, bah, allez, s'ils veulent vraiment qu'on aille là-dessus. Ça tombe. Non, go back là. Go jouer safe plutôt. Moi je serais plutôt d'avis à aller sur le Drake. Je pense même qu'on peut aller péter la petite ward qu'il y a par là. Parce que c'est jamais bien d'avoir une ward. Si là ce qu'il y a son flash. Ou alors peut-être qu'il ne l'a plus si elle. Si elle me le ping. Donc. On va y aller. Oh là là, c'était pas trop ça. Mais je le touche jamais. Oh là là. Je fais que me balader, je fais des allers-retours sans farmer, sans rien prendre. En fait, elle tombe. Hein. Ok, je pensais que c'était une bonne idée, j'y ai vraiment cru, il y avait de la bonne volonté. Je pensais pas qu'on allait se retrouver avec un milliard de personnes en face d'un coup. Ça portait d'une bonne volonté, indéniable. On est sur du dégât physique plutôt. Bon, je prends l'établi de toute façon. Et ensuite, je pense qu'il va falloir que je parte. Peut-être sur un visage. Je vais prendre de l'armure quand même assez vite. Moi je reprends ça. Le Drake n'est toujours pas fait. Faut vraiment pas leur laisser. Là. Allez Jinx, rends-moi du rêve s'il te plaît. Ils sont beaucoup en face. Oh là là, ils vont avoir le Drake. Ils ont le Drake. Oh, j'ai horreur de ça. Je déteste rater les Drakes. C'est un truc qui me rend dingue. C'est vraiment un truc qui me rend dingue. Allez, j'arrive. Ok, bon, je l'ai fait flash out. Par contre, il faut vraiment qu'il arrête de me manquer de respect comme ça, là. Oh! Ça me rend dingue, j'avance pas. J'ai presque envie d'y aller en fait sous la tour là. En vrai, on le tombe là, non? Ah, enfin on fait des trucs un peu. Bien joué Lissandra. Parce que moi mes actions depuis le début là c'est tout est à chier quoi. Donc tu veux rester, fais gaffe quand même hein. Fais très gaffe. Ok, j'ai fait une action, on aurait pu faire le double kill un milliard de fois hein. Le Jax était mort, j'avais juste à faire tout simplement un clic dessus et c'était fini. Mais bon, ça ne s'est pas passé hein, parce que je ne suis pas un sniper. Je suis même tout l'opposé de ça. J'ai toujours pas pris mon brouilleur, il va falloir que je le prenne. Mais au moins on a quand même fait un kill et on n'est pas mort, hein, ce qui est déjà largement au-dessus de la moyenne de ce qui se passe depuis le début de cette partie. Donc on est sur un progrès tout à fait indéniable. Faut toujours être positif dans la vie. Ok, je vais aller faire mon petit clean de jungle au bot.
Un Renek qui a l'air d'être bien. En vrai, de toute façon, si on a Renek, Mundo, la Lissandra a l'air d'être bonne. La botlane a l'air de bien jouer malgré le fait qu'on a du plat 1 en face. Je pense que sur dans une optique mid-game, late-game, on est vraiment pas mal. Bien joué. Encore, encore, encore. Mais préviens-moi quand tu fais ça. Alors là, je vais juste avoir un petit souci de timing en fait. Mais j'avais l'ulti, il me tue, putain, je l'ai eu un tout petit peu tard. Quelques secondes trop tard. Dommage, sinon, en fait, l'ulti, faut attendre un tout petit peu pour que ce soit vraiment intéressant en termes de régen. Et là, je venais juste de le lancer, j'avais juste eu le délai de récup. Ça s'est vraiment joué à pas grand chose, c'est un peu triste. Dommage, hein. Bon, je vais aller faire le raid. Heureusement qu'on a une botlane qui joue bien. Parce que moi, pour l'instant, c'est vraiment pas ça. Faut qu'il se fasse attention. Il y a peut-être une TP de quelqu'un. Non, ça a l'air d'aller. Ok, on a un petit souci là de Sivir. J'aurais tellement dû être plus présent là. Mais bon, j'ai voulu aller au mid. Là, c'est des fois, il faut oser refuser de suivre des calls. Attends, j'ai encore oublié de prendre mon brouilleur optique. Parce que le timing était pas bon par rapport à mon ulti, en fait. Et j'y suis quand même allé. Et du coup, j'ai perdu l'ulti. Ok, alors là je vais avoir un petit souci peut-être de move speed. Comment elle peut se prendre le H Elle a réussi à se prendre le spell de Sivir. Dommage. Étant donné mes performances mécaniques, hein, je vais éviter d'avoir une critique trop hard sur son esquive, mais je trouve ça un peu dommage quand même, parce que là je pense qu'elle avait juste à courir en arrière, moi la Sivir je l'avais. Je sais pas pourquoi elle est restée dans le coin. Ok, alors toi en fait pas 30 fois. Putain, mais encore une fois je l'ai pas quoi. Dingue. Mais c'est une blague que je ne tombe pas là. Oh, ça me rend fou. Et par contre, s'ils s'en sortent, je suis le mec le plus fou du monde. Hein. Mais pourquoi il prend pas de dégâts? Non, Soraka. Tu me tombes cette Soraka. Le Q-Click. Mais j'étais pas en Q-Click. Il est resté comme un pantin, mon champion. J'y crois pas. J'y crois pas, je mettais un coup, il était mort avec le E, et je tape à côté, moi. Oh, quel singe je suis. C'est fou. C'est vraiment fatigant d'être mauvais comme ça. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va remonter le level doucement, hein, doucement mais sûrement. Ok, on va peut-être prendre un peu d'armure, ou alors je pars sur la Warmog plutôt. Non, je vais faire... Je vais prendre ça. Hop, allez, je viens au Drake. Attention, le Jax. Attention, le Jax. Bien joué au mid. J'ai peut-être pingé un peu trop. Je pense que ça va paraître relou. Ça apporte pas grand chose. Bon, le Malphite, il a l'air un peu. Bon, pas. Il s'est fait dominer par le Renek en line, mais il reste dans la partie. Oh, je suis deck. J'avais tellement le double kill là tout à l'heure. C'est juste que j'ai tellement mal géré au niveau mécanique ce qui s'est passé. C'est assez... Putain, j'ai encore oublié le brouilleur optique, décidément. Oh là là, mais je joue comme une merde. Mais pourquoi je n'ai pas touché, là? Faut vraiment qu'on m'explique. Ok, là ça touche par contre, d'accord. Allez, si on a le Renek, il faut y aller, là. Ok, apparemment je suis le seul à avoir envie d'y aller. Par contre, clairement, je meurs pas là, on est d'accord. Hein. Alors, personne n'est mort, c'est une fight sans kill. C'est un peu étonnant. Putain, par contre, le mode déloc, je galère hein, vraiment. Est-ce que je peux faire mes loups? Ce serait con de mourir comme ça exécuté. Ok, c'est bon. Attention à pas me prendre un petit. J'ai quand même mis le smite par sécurité.
pense qu'il faut que je back là. Quoique, est-ce que je peux acheter quelque chose? Ouais, je peux acheter ça. Ça pourra quand même servir. On a un petit souci de civir en face. On n'a pas eu de Drake du tout. J'ai honte de ça. J'aurais vraiment pu faire mieux. Je pense que je vais venir vers le top. Parce que lui, je pense qu'il peut tomber vraiment très vite. Je pense pas qu'il soit trop dangereux en termes de dégâts pour moi. Putain, mais le Jax, il prend tout, quoi. Attention, attention. T'as un Jax qui débarque. On fait quoi? On y va? On y va pas? Incroyable. Quand je panique avec ma caméra, je me mets à faire des trucs d'un coup. J'ai mis tous les hachoirs. Étonnant. Il est où? Il est où? Non, 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 mec. Pas ça, pas ça, pas ça. Mais non! Mais c'est un scandale, ça! Putain, j'avance pas, bordel. C'est tellement chiant. Putain, on en a eu aucun, quoi. Incroyable. Moi, je suis saoulé, je vais push le top. Je vais push le top. Ok, je rate ça, je sais pas comment. Là, je prends la tourelle, en vrai. Je suis trop loin pour arriver à temps au mid. Bien joué. Apparemment, il gère pas si mal. Par contre... Mais non! Non, 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 non! Pas le Jax! En 1v1, je le tombais! Sérieusement! Sérieusement, je le... Ah! Pas sympa. Pas fair play, tout ça. Pas fair play du tout. Bon, je vais prendre... encore un peu de vie. Hein. Avec Mudo, on n'a jamais assez de PV. De toute façon, c'est pas compliqué. Peut-être une auto sur la tourelle aurait été pas mal. Heureusement qu'on a un Renek qui fait des trucs. J'ai une bonne team, hein, franchement. Là, je suis très mauvais, mais avec un Mundo, en fait, le type de jeu du perso fait que ça compense beaucoup d'erreurs et que vous pouvez quand même faire des trucs et être dans la game. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais le Jax, là, il est vraiment... il s'amuse, hein. Il s'amuse, le coco. Putain, le Malphite, il était tellement mort deux fois. Putain, je l'ai pas chopé tout à l'heure, j'ai vraiment en pareil, quoi. Ça s'est joué à que dalle. Ça s'est joué à que dalle. Est-ce qu'il est encore là? Non, 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 pas encore en 1v1000, s'il vous plaît. Par contre, rassurez-moi, ils sont pas en train d'essayer de me dive, là. Alors là, je vais avoir besoin d'un tout petit peu de soutien, peut-être. Oh, j'ai touché. Allez, go, go, go. Go, 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 go. On fait quoi? On y va? On y va pas? On est en surnombre là, hein? Non? J'ose pas y aller, en fait. On fait du avant-arrière là. C'est pas génial, je vous avouerai. Là, à mon avis, avec le Renek, la Soraka, elle peut tomber en 2-2. Pourquoi j'avance pas? Quelqu'un m'explique, s'il vous plaît. Bon, bah, on va au moins essayer d'avoir la Soraka, ce sera déjà mieux que rien. Oh, je suis fou, mais complètement. Putain, je sers à rien, je suis une plante qui se balade, quoi. C'est frustrant, mais à un point. C'est tellement frustrant. Ah là là, c'est pas le meilleur Mundo qu'on ait vu, hein. Ça, c'est pas discutable. Mais bon, je garde quand même espoir qu'il va se passer des trucs au bout d'un moment dans la partie. En plus j'ai le phage, hein, ce qui fait que normalement ça me permet d'aller quand même chercher les kills. Il va falloir que je prenne la plaque du mort assez vite aussi, ça va me faire du bien en termes de déplacement. Je vais aller choper le petit raid, ensuite venir faire le Drake avec les potes. A mon avis ce sera déjà fait en fait. Ça sera déjà fait. Oh là là, j'ai cru qu'il allait choper le raid, il aurait pu. Ok, j'ai réussi à passer à côté du mur. Il se passe quoi là? Il fight pas? Moi je viens, je suis chaud, hein. Y a beaucoup quand même là, non? Il y a beaucoup, on va essayer de protéger Jinx. J'ai encore oublié de prendre mon brouilleur optique, décidément.
pas génial. À l'aide en fait. Bah, arrêtez de courir pendant 1000 ans, elle, ça commence un peu à me saouler. Mais c'est une blague que je tue personne, jamais là. C'est usant. Quand même. Putain, je passe mon temps à courir et à mettre des trucs, mais à chaque fois, je sais pas, il y a un truc qui fait que les kills ne sont pas là. C'est vraiment... Voilà, elle aurait passé le truc, elle. Alors bien sûr, je prends l'aggro de la tour comme un débile. Ça, c'est la classique, avec la cape solaire et le Z. Nickel. Je vais prendre la plaque du mort, vraiment, parce que j'avance pas, en fait, et grâce à ça, ça me permettra d'aller mieux chercher les kills. Allez, bien joué les potes. Go go go, le Silas il tombe là. C'est vraiment du dégât physique que je prends, hein. La plaque du mort, plaque du mog, ensuite warmog, ensuite visage. Le visage ça peut être bien de le prendre tôt quand même pour le bonus de régène, mais bon. Je suis pas sûr que d'ailleurs le visage... Enfin j'ai un petit doute sur la manière dont fonctionne le visage parce que j'ai fait des tests autrefois et il y a des runes qui font que les soins font un bouclier et ça marche pas pour la régène de PV. Et c'est présenté pareil, les soins reçus. Alors est-ce que ça fonctionne pour ça? Je sais pas. Est-ce qu'on irait pas faire un petit nage par hasard là? Je me demande si ce serait pas le moment. En tout cas moi ce qui est bien c'est que je commence à avoir une régène qui me permet de tenir pas mal de trucs. Je peux farmer un petit peu. Alors éventuellement le bleu ce serait bien de... Ah merde, ils sont en train de fight. J'arrive. Alors là, la civière, je la lâche pas. Mais j'avance pas, hein. Quand même. Ok. On était sur un flash level Grifox en face. Bon, alors là je sais que j'ai pas été avec eux, mais je me suis fait la civière à moi tout seul qui est le plus gros danger. Donc c'était vraiment archi rentable. Pour une fois c'était pas trop mal. Bon, j'ai pas eu une gestion incroyable de ce qui s'est passé au niveau mécanique. Vous avez vu, j'ai même pas tenté de skill shot. Hein. J'ai activé le mode champion only, et ça c'est quand même pas mal. C'est vrai que ça fait une petite diff, alors on va juste essayer de placer la ward. Vous avez vu la petite ward bush là, on est sur un petit skill que j'ai train de mon côté. Étonnant, et bah c'est que je suis en train de remonter mon niveau moyen de la partie. Go 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 all my feet, hein. Non, enfin si je suis tout seul j'y vais pas, on est d'accord mais... Je dis go en fait. Ok, s'ils veulent pas, ok on y va pas. Genre je suis mort. Voilà, je m'attendais pas à me faire tuer comme ça. Normalement je suis censé être solide avec Mundo. Je suis un peu surpris et je perds le nage. C'était vraiment très bête de ma part. J'aurais mieux fait de back tout simplement. Là on est sur le typical je fais le nage mais je donne le je donne le buff après. Genre j'en fais rien. C'est ce qui était vraiment très débutant hein, comme choix de prise de fight. C'était débile. Bon, on a un petit Drake à aller choper, je vais essayer d'y aller direct, je devrais arriver tout pile à temps. C'est vraiment un coup je fais des trucs potables, un coup je fais un truc moins bien, un coup potable, un coup de nul à chier, enfin ça passe par tous les stades. On va prendre la Warmog quand même, et ensuite le visage. Ça devrait être pas mal je pense. Je vais peut-être choper le raid au passage, mais non, je vais rush le Drake vraiment là. J'ai encore oublié de prendre le brouilleur, peut-être que je l'aurais dit avant la fin de la partie, hein, ce serait une idée. Pourquoi elle nous demande de l'aide d'un milliard de fois, je ne sais pas. Sachant que là, le Drake, il est de l'autre côté de la map, en fait. Ok, un peu tôt le hachoir, on va dire que c'était par sécurité. Est-ce qu'on a le temps de le faire, là? Ils sont tous là. À l'aide, en fait? Non, ils n'ont pas la vision, c'est pas ce que je voulais dire, je me suis trompé de raccourci. Faut pas fight, hein. Après, s'ils les occupent, en vrai... Si le Renek prend la tour et que moi je les occupe, 800 le smite. A priori personne n'était dessus, mais. Bah go en fait là non.
À l'aide! Enfin, je dis à l'aide, mais en fait, je crois que je me fais en 1v1, non? Alors, Malphite, en fait, il m'a tellement gavé tout à l'heure. Non, il faut que je reste avec les potes. Voilà! Allez, go, go, go! Non, je sais pas, on fait des trucs. Go, moi j'y vais, hein. On verra combien de temps tu te fous de ma gueule, toi. Voilà! Là, normalement, je meurs pas parce que je suis Mundo et personne me tue. Enfin, normalement. Ok, je suis mort. Étrange. Il se passe des choses bizarres. C'est pas grave, il y avait de la bonne volonté, personne ne le niera. J'ai mis une touche pour les raccourcis de champion, je sais plus ce que c'est, je dois avoir des notes. Ok, champion, champion. Non, c'est où les stats? Ah, c'est ça. Voilà. 30% de délai de récup. 30% de ténacité. Ok, je suis pas trop mal en vrai là. Je suis pas trop mal. On va faire des choses, les amis. On va faire des choses. Je suis très chaud. En vrai, je commence à pouvoir faire des trucs dans les fights. Hein. J'ai encore une gestion mécanique un peu chaotique, mais je commence à être assez bien dans ma game pour faire des trucs. Je suis quand même à 6-10. Bon, 10 morts sur Mundo, c'est un peu ridicule. J'ai quand même 140 de farm. On va dire c'est pas trop mal, mais ouais, bof. Qu'est-ce qu'elle me dit, Jinx? Elle veut de la thune, ok. No susai. Je sais pas s'ils veulent fight. Ce serait peut-être bien qu'ils fight pas trop. Je pense en fait le Jax en 1v1, je dois probablement l'éclater. On va test. Je pense que ça passe à peu près easy. Je pense vraiment qu'avec les runes que j'ai... Oh, ça touche, incroyable, c'était le hachoir de ma vie. Il me saoule en fait là. J'aurais pas dû partir en arrière. Oh non, non, je l'ai pas touché. Mais... Que se passe-t-il? Pouah, génie, quel team de génie. Ça me rend dingue les champions comme ça. Putain, pourtant j'ai les plaques du mort, j'ai 1 milliard de trucs. Et là, puis bien sûr, je me fais instant. Ah, c'est frustrant. C'est tellement frustrant. Allez, voilà, calmez. Bon, j'espère que ça va permettre à ma team de follow derrière et de faire des trucs bien. Ça a l'air d'être le cas. Bien joué, les potes. C'est frustrant. Il court. Pourtant, j'ai de la vitesse de déplacement. J'ai des trucs qui ralentissent. J'ai le coup près noir qui me fait la rage. J'ai la plaque du mort qui me fait un bonus de vitesse. Enfin, franchement, j'ai l'ulti qui me fait accélérer et je peux pas choper, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Et le pire, c'est que mes skillshots étaient même pas à côté. C'est juste qu'il n'y avait pas à la portée, quoi. Ah, c'est frustrant. Bien joué les potes, encore une fois. C'est dur, c'est très dur. Mais je pense que malgré tout, y a quand même encore une bonne fight qui a été prise grâce à moi. Hein. Des fois, on a l'impression que si on meurt, on est vraiment pourri. Mais si derrière, ça enchaîne sur un truc, c'est peut-être qu'on a fait quand même du bon taf d'une manière un peu indirecte. Et là, je pense qu'effectivement, c'était pas si mal que ça, peut-être, hein, mais... Parce que bon, le Jax, du coup, il a un peu tout claqué, il était en train de courir, alors que ça reste quand même un gros danger pour les AD Carry. Et, enfin bon, je sais pas, je réfléchis à voix haute, hein, ça je trouve, peut-être que je dis n'importe quoi. Personne ne le saura. Ah oui, effectivement, je devrais peut-être être au Nash, là. Go, 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 j'arrive. Ou alors peut-être le Drake, dans 40 secondes, il vaut mieux que j'aille avec eux, c'est vrai. Alors si le Jax tombe, on peut bien wage. Bien wage. Et là, Gonash, non? Gonash, hein, j'ai envie de dire. Ok, ça c'est pas mal. Alors, encore une fois, là, j'ai follow parce que j'ai pas voulu laisser les potes tout seul. Mais je suis pas convaincu que c'était le meilleur call. J'ai encore oublié mon brouilleur, décidément. Là, j'ai pas trop compris pourquoi y aller, hein, pour être très honnête avec vous. Ok, on a tout raté. J'ai pas bien compris le pourquoi du comment. Ah, j'étais trop fier de ma petite ward bush là tout à l'heure. Ah, ça fait des dégâts quand même ce truc. Hein.
Là, ils vont quand même pas nous laisser le faire. J'ai même pas de truc à déward, quoi. Je vais essayer de me mettre là-bas pour intercepter si des fois il y a quelque chose qui arrive. Eh bien, il se passe des choses hein, sur cette partie. La Jinx est vraiment pas mauvaise, c'est pas mal. Ils font quoi, ils veulent y aller là? Je suis pas sûr que ce soit le moment de fight. On est tous les 5 là? Non, il y a Lissandra qui est chez nous. Hein. Je pense qu'il vaut mieux back, essayer d'aller prendre... Enfin, je dis ça si quelqu'un veut. Je pensais peut-être qu'il y a un mage qui allait vouloir prendre le bleu. Là, je serais d'avis à quand même pas y aller, moi. Allez, à la limite, je les ai fait un peu disperser leur focus. Ok, Jinx a voulu prendre le mob, très bien. Très, très bien. Allez, go, tous ensemble. Tous ensemble. Allez, on protège les caries. On protège les caries. Voilà, Soraka, elle se prend de ses trucs. Elle se prend de ses trucs. J'avais envie d'y aller. J'avais envie d'y aller. Eh, en vrai, c'était pas dégueulasse mon engage là. Hein. Un petit flash in de débilos là. Bah, ouais, encore une fois, j'ai fait une engage qui peut paraître un peu no-brain, mais en fait, ça nous a mis trop bien. C'était le move du siècle, les amis. C'était le move de la partie. Quel Mundo incroyable qui a fait de la merde toute la game et qui nous fait un petit flash in des familles. GG. GG les potes. C'était rigolo. C'était vraiment n'importe quoi cette partie. Non, c'était pas n'importe quoi, c'était intéressant. J'ai pas vraiment. J'ai pas fait que des bons calls, mais j'ai pas non plus fait que de la merde. Beaucoup de fails mécaniques, mais quand même des actions assez décisives parfois. Bon, et eh bien j'avais une team sympa. J'ai fait beaucoup d'erreurs et surtout de fails en fait. Hein. Je pense que c'est plus des fails que des erreurs là sur la partie niveau mécanique. Encore une fois, dû voilà, à la caméra des locks, au raccourci que je viens de changer, mais je pense qu'il y a encore une fois que j'aurai repris tout ça en main, ça donnera des trucs pas mal. Et j'avais une team vraiment sympathique là, il n'y avait aucun boulet dans la team, enfin s'il y a un boulet en fait c'était moi, et le reste était vraiment pas mal. Et donc on a pu s'en sortir pas trop mal. Mais écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.